Et salut tout le monde, voilà c'est TheBlaze3, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 12. Commenter bien sûr, mais ça va être pas une vidéo comme les autres, pas un gameplay, pas une vidéo pardon, commenter comme ça à l'arrache. Il va y avoir des transitions pour que le gameplay soit un peu plus rapide, que vous ne faites pas chier pendant 20 minutes devant un gameplay, devant des passes, devant des actions. Déjà première action de Benzema qui rate sa frappe, qui tire au-dessus de la barre. Dommage pour toi. Donc je préfère vous prévenir, je joue le Manchester United, ça se voit parce qu'il y a la flèche rouge au-dessus de mes joueurs. Bref, j'ai fait un bon match qui était plutôt serré et que vous allez voir quand même qu'il y a un assez gros retournement de situation, enfin deux retournements de situation. Donc vous voyez Rooney qui se dirige vers la case adverse, qui va tenter la rentrée ou une passe, je ne sais pas, qui la rate. Petit centre est dégagé par le Real Madrid. Donc oui, je tiens à vous informer que les vidéos reprennent. Je n'étais pas là, j'étais absent parce que je travaille maintenant et d'accord, il faut plus que je m'investisse dans mon travail scolaire. Donc maintenant, donc je m'excuse pour mon absence. Hein. Les vidéos reprendront, mais petit à petit. Donc parlons un peu du gameplay sur FIFA. Alors Ronaldo qui a la balle, qui se fait chipper la balle par Manchester United. Alors oui, donc je ne suis pas énormément fort sur Manchester United. Je joue contre pro, enfin en difficulté pro. Voilà, donc je tiens à préciser. Donc on passe tout de suite à la 11e minute. Rooney qui se dirige vers la cage adverse, qui va défier Casillas, qui tire et ça rentre. Pleine lucarne. Bravo Rooney. À la 12e minute, Rooney inscrit son but. Oui, Rooney est un joueur plutôt expérimenté. Je trouve qu'il est un petit peu cheaté dans ce FIFA 12. Je veux pas dire, mais quand même, il est extrêmement bon. Déjà, je chip la balle directement. Vous en doutez que quand même, le Real ne va pas me laisser passer comme ça. Ah là, arrêt de Casillas. Déjà, Casillas qui est un très 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 bon gardien. Et je peux vous dire, moi, il en aura sauvé beaucoup la mise au Real. À la 18e minute, Rooney qui se dirige vers la cage adverse, qui va tenter son petit tir, mais cela a raté. Dommage Rooney. Superbe tir, qui a carrément dévissé le cadre, hein, hors du cadre. Hein. J'ai pourtant essayé de doser, mais bon, c'est raté. Et c'est à la 21e minute, si je puis dire, qu'il va avoir une action plutôt assez intéressante. Rooney qui se dirige vers la case adverse, qui fait une passe ratée, et que l'adversaire rate la passe aussi, et qui permet à Jérôme Hernandez de marquer son but. Superbe. Regardez-moi cette passe ratée. On revoit ça au ralenti. À présent, je mène 2-0, mais bon, nous n'en informons pas tout de suite. Tout cela va bien changer. Ah, je vous spot un peu quand même, hein. Oh, bitch. À la 26e minute, le Real Madrid attaque. Magnifique talonnade de Benzema. Ozil qui se dirige vers les cages. Attention, Ozil qui est un joueur très dangereux, assez technique. Qui fait la passe à Benzema. Qui rate. Et c'est une action quand même plutôt assez chauffante. Mais nous, on ne nous repensons pas. Boum, tacle. Attention, ça a été chaud pour le Manchester. Corner pour le Real Madrid. Real Madrid, excusez-moi. Tête. Reprise de volée. Attention, si celle-là que je l'avais pas contrée, moi je peux vous dire, j'en aurais galéré. Et à la 31e minute, vous vous dites pourquoi le Real Madrid s'absentait un petit peu. À vrai dire, superbe reprise de volée de Cristiano Ronaldo. Là, je peux vous dire, il l'a planté, mais genre violemment, quoi. Superbe reprise de volée. À présent, Manchester United mène toujours 2-1, mais bon, ça ne va pas durer. Peut-être que le Real va égaliser. Le Real qui était quand même une bonne équipe défensive, à la fois attaque. Le Manchester United qui est une équipe polyvalente, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation. On peut, en fait, les joueurs s'adaptent à n'importe quel effectif. Cette équipe sera sublime. Non, effectif ou
Oh, je ne sais plus, hein. C'est la tactique, si tu peux le dire, hein. Et c'est à la 39e minute que Benzema va inscrire son premier but. Superbe poteau rentrant, Benzema. Il n'en leur a pas laissé le choix. Franchement, le Real Madrid nous a égalisé plutôt assez rapidement. Si je puis dire, oui, Benzema qui est un très très bon joueur rapide. Normal que l'effectif du Real, parce que c'est en général c'est Benzema qui marque beaucoup de buts au Real, parce qu'il est en pointe et bon, bah, c'est lui quand même qui a pratiquement toutes les bonnes actions ou tous les trucs comme ça. Super barré de Casillas au passage, que Rooney a tiré une petite bourrine, mais bon, un petit peu raté. Corner pour le Manchester qui dégage par le Real. Ah non, attention, la petite tête, ouais, ça n'a pas passé, hein. Très bon Casillas. Et voilà, c'est à la 45e minute que le Manchester United fait une énorme faute, le penalty. Le capitaine de Manchester United qui fait la faute. Et Ronaldo va tirer ce penalty. Attention, penalty. Et boum, poteau rentrant. Je n'ai rien vu passer, j'ai pas eu le temps. Il a très très bien tiré son penalty. Moi, je peux vous l'accorder. Ronaldo, qui est un très bon joueur aussi, technique. Bon, comme on dit, hein, lui, il est payé pour rien. Hein. Il a quand même fait ses preuves. Et voilà la première mi-temps qui s'achève. Nous allons regarder les statistiques des joueurs. Donc d'abord les ralentis. Oh bah non, bitch, je les ai passés. Donc les statistiques des joueurs. Qui est allé très rapide, oh bitch. Je me fais violer. Bref, donc petite passe. Alors déjà directement un qui est allé trop rapidement même. Superbe poteau. Oui, poteau, si je peux dire, ouais. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. Oui, ouais, poteau. Enfin, je peux dire, ça, je sais pas ce qui se passe, parce qu'il y a eu le ralentissement quand il y a des transitions avec Camstasia, ça bug, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, ça vous fera ça, pas ça pendant la vidéo. Et encore une action du Real Madrid, attention, celle-là va être très très chaude. Boum, le gardien qui repousse en corner, enfin, vite, zic. Qui repousse en corner. Attention, ce corner va être énormément chaud. Tiré par Xabi. Xabi. Benzema qui tire. Poteau. Je peux vous dire que j'ai vraiment eu très chaud. Rooney qui se dirige franchement directement vers la cage adverse pour un contre. Mais ce contre ne va pas lui être favorable. Et c'est à la 58e minute qu'il y a une très belle action de Real Madrid. Attention, interceptée par le gardien. Et c'est à la 64e minute que il y a le superbe arrêt. Ah non, pas un superbe arrêt, ça a ramé, je ne peux pas vous dire. Et c'est à la 69e minute que Rooney va enfin se réveiller et qui va marquer, inscrire son doublé. Superbe but, hein. Au passage, petit filet de Rooney à la 70e minute. On va le ralentir. Bim! Super. Et ce qui fait un score de 3-3, Manchester United revient à égalité. Comme je vous l'avais dit, c'est un match plutôt assez serré, hein. Et c'est à la 73e minute, ce n'a pas traîné. Hernandez qui se dirige vers les cages. Qui va tenter la frappe et magnifique but, petit filet, tir à rater sublime qui n'a pas laissé un moment de répit à son gardien. C'était magnifique, super Hernandez, Jérôme Hernandez. On revoit le ralenti, regardez-moi bien. Il y a quand même un vieux angle, mais pas de problème pour Hernandez. Ce qui fait que Manchester United repasse à la tête. Et encore, on enchaîne directement à la 88. Minute, Giggs qui vient de rentrer dans le match. Giggs qui ne perd pas patience, il se dirige vers la cage adverse. Superbe lucarne, il ne laisse pas de répit au gardien. C'est un très très bon joueur, rapide, puissant, technique et à la fois précis. Regardez-moi cette belle frappe à marquer à la 82e minute de Giggs, ce qui fait 5 à 3 pour Manchester United. Donc là, rien d'intéressant, juste que Rooney se dirige vers la cage. Attention, Rooney,
Rooney qui fait son petit drive et boum, c'est le but directement dans la foulée du but, dans la foulée du but précédent. Une minute d'écart, Rooney ne laisse pas le temps, n'a pas laissé le temps de souffler au gardien. C'était sublime, Rooney, bravo à toi. Regardez le petit geste, bim, super but. Il décale vers la gauche et d'un petit coup du droit, boum, il n'a pas laissé le temps. Et attention, dégagement assez raté de De Gea, que Cristiano Ronaldo se dirige. Petit geste technique. Oui, il se dirige, la frappe et c'est le but. Là, c'était pas mal. Hein. Superbe Cristiano Ronaldo, superbe but. Plutôt pas mal, hein, si je puis dire. Donc, c'est un score de 6 à 4. Un score sans appel. Hein. Franchement, attention directement pour élargir notre avance. Super barré de Casillas cette fois. Voilà pourquoi je vous dis que Casillas est un très très bon gardien. Donc là on passe à la 90e minute. C'est fini. Le match est fini. Victoire de Manchester United, c'est-à-dire moi. 6 à 4, un score sans appel. Quand même une belle remontée de Manchester United. Qui est en. Je les ai mis en mode pro. Voilà. Et puis voilà. Hein, c'était une petite vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé comment je la commente. Je sais, je ne suis pas exceptionnel sur ça, mais bon, allez, ciao tout le monde et bonne journée, bonne soirée. Oh, my people on the floor, party all night, I want some more, some more.